151. Oh, 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 je suis jamais eu aussi loin dans une partie. Qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'on se fiste à... Est-ce qu'on se fiste n'importe quoi. Bah ça, c'est si t'as envie, hein. Est-ce qu'on se fixe un objectif pour cette campagne ou est-ce qu'on arrêtera quand on aura envie? Bon, je pense qu'on arrêtera quand on aura envie, tu vois. Je sais même plus où on était, tu vois. En Irlande. Je sens que c'était le bordel. Pourquoi? Toi, t'étais dans la... Je crois que toi, t'étais dans la merde et que j'allais t'amener une armée. Bah, je crois qu'il y avait, ouais, il y avait Aksum ou les Garamant, tu sais plus, qui me cassaient les couilles, là. Donc, je vais faire mon mémoire avec Clou. Ou Bruno, je sais pas. Attends, là, il y a moyen de s'amuser un peu, là, je pense. Putain, j'ai pas de soldats. Hein. Cette formation digne du, des Parisiens pendant les barricades. J'avoue que là, il y a moins de balcons. C'est ça qui m'inquiète, il va avoir des balistes qui vont arriver ou un truc comme ça. Tu sais, les mecs qui tirent à la balustrade. Ah, c'est vrai que s'il attaque comme un vrai gros con comme ça d'un seul côté, il y a moyen de faire mal. Hein. Regarde le gros paquet de mecs qui s'enfuit. Oh, le tir au pigeon. Ah, j'avoue. Oh là. Les mecs qui s'enfuient, on dirait la queue du rut. Il n'y a aucune coordination, ça va dans tous les sens. Mettez le masque et gardez 2 mètres de distance entre vous. Oui, oui. Ils prendront pas la ville, ça c'est sûr. C'est vrai qu'en nombre final, ils étaient juste 1000 de plus que moi. Ouais, mais en vrai, t'avais du nombre, c'est juste un peu comme ça. Ouais, ça avait l'air plus déséquilibré que ça sur le papier, ça me faisait plus peur. Au final, on sait pas quand c'est fait chier, mais presque, tu vois. Je vais prendre une petite révolte, tout ça. Tu vois, quand c'est pas les migrants, du coup, c'est la révolte liée. Pourquoi j'ai moins 20 dans le public? Bah oui, ou même moins 17 de migrants, d'accord. Un problème avec les migrants? Ah ouais, dans ce jeu, ouais. Ça, pareil, j'arrive pas à piger. Quand l'IA, elle libère une zone, automatiquement, cette zone devient ton ennemi. Moi, je viens de libérer la Septimanie, à aucun moment, c'est devenu les ennemis de toutes les factions que je combats, tu vois. L'IA, littéralement, triche, et en a rien à péter. Un type qui a encore des potes qui lui datent du collège. Bah moi, comme tu dis, ouais, vraiment de jamais bouger, de toujours rester... faire un créneau comme l'unité de cavalerie. On est passé entre deux rangées, le mec. Oula, ou les javelots de mon cul, j'ai mal. Alors j'ai envoyé littéralement mes cavaliers et les archers montés, ils sont partis promener les chiens. Parce que depuis tout à l'heure, les chiens les suivent non-stop, où qu'ils aillent, donc je les envoyais loin. Et ça, les chiens vont arrêter de nous faire chier. Oula. Oula. La cou... Enfin, là, là... J'avoue, la connexion s'est pris un putain de javelot, elle aussi. Tu vois, c'est quel son, pourtant. Allez, bouffez-les. Parti. Allez, mangez-les. Je peux pas les voir survivre, là. Croquez les mollets. On a fait cette bataille 2 fois, c'est une fois de trop. Jamais 203. Voilà, ça commence déjà à craquer, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut, voilà. On veut des unités qui paniquent au milieu de la carte, champ de bataille. Des IA qui ne sait pas quoi faire. On veut que ce soit le bordel, le bordel, ouais. Je vous dis. Ça, on aime. Là, c'est magnifique. Les ennemis sont retournés au combat. J'ai une meuf de 38 ans pour un de tes mecs de 18. Peut-être pas la bonne idée, parce que peut-être qu'elle va être stérile. Hein. Non, mais tu peux le faire parce que le mec de 18 ans, je crois qu'il est stérile aussi. Ah ouais. C'est mon nouveau général, il est stérile, ouais. Il a genre moins 100% de chance. Yuako, ça c'est ça? Ouais, il a moins 100% de chance d'avoir un héritier. Ah ouais, mais faut que je la prenne pour comme ça je tanque le port, le tank le... Ça y est, t'as l'île de Bretagne, là? Ouais. Oh, y'a quelques armées qui se promènent un peu partout, mais... Bon... C'est pas si mal. Ouh, les Gates qui arrivent. Comme on dit, Galé Gate Gates. Boum boum boum. Bon, voilà, je pense que mettre mon armée dedans, j'aurais peut-être dû les laisser débarquer pour leur faire
Une bataille en terrain plat. Putain, du monde. J'ai pas eu le temps de faire venir, ça va être. C'est même plus, ils sont même pas en horde, hein. C'est vraiment qu'ils ont, ils ont une ville et quatre armées, quoi. Ouais, je vais pas avoir l'espace. Ah si, en fait, j'ai une idée de stratégie. Regarde les renforts de garnison qui sont hyper utiles. 12, 19. Et la horde de débit, c'est avec le petit carnix à côté. Vous savez que c'est des raptors, quoi. Vous avez vu les raptors? Non, mais c'est basé sur le pillage. Oh, le Dawa. Ah, puis l'horde de Davis n'apparaît pas dans la ville. Hein. Mm. Oh, ta ville, ah, elle oui, est à poil. Il y a 13 mecs pour la protéger, la ville. Attends, ils sont 9, 14. Ils sont littéralement 19. 19 hommes et 10 chevaux. On dirait un film. Tu sais, c'est les 7 mercenaires. L'armée, elle va mourir. On voit tes deux maraudeurs à l'un sur un bateau. Au milieu de l'armée adverse, ils sont courageux, hein. Nous sommes plus que l'ennemi. Comment ça, c'est faux? Moi, j'aime bien une catapulte avec un mec dedans. L'ennemi tremble devant notre nombre supérieur. Bon, ils sont à l'abordage, ouais. Tes mecs, ils sont que deux, ça va mal se passer pour leur cul. Non. Après, il laisse tranquille. Bien joué l'artillerie par contre, sur le bateau, ça c'est beau. Ça. Oh mythe. J'ai compris ça. Ah, tu me passes les batailles toi? Oh non, je trouve ça trop chiant d'avoir une heure pour faire des batailles là, c'est chiant. Ah, c'est pratique des fois. Ah, il commence à débarquer, j'ai l'impression que j'ai vu un mec qui a gerbé, je crois. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression en partant qu'il y a un mec qui a vomi ses tripes dans le bateau. C'est mal l'orgie qu'ils sont en train de faire sur le bateau de siège. Bah oui, il est là, t'as le pauvre artilleur qui est l'arrière tout seul comme un grand. C'est vrai que la dernière partie avait été un peu difficile, si mes souvenirs sont bons. Bah parce qu'en fait j'avais un problème de connexion. Et bonsoir, c'est pour prendre un chicken tiki machala s'il vous plaît. Le mec il téléphone alors qu'il est. Oui. Oui, voilà, sans aguri. Je te dirais machala. Voilà. Il téléphone, il y a un truc allumé, putain, c'est génial. En 10 minutes, sera parfait. Rien à branler. Et là, t'as tout de suite. J'ai vu le nom, le chicken jury, yeah. Machala. Yeah. En plus, la commande, elle était passée en moins de 15 secondes. C'est tout ça, le mec habitué, l'expert. C'est même pas genre, bonjour, ça serait pour commander, c'est de bonjour, je voudrais vous prendre un chicken jury, machala. Et en fait, je me dis, putain, en fait, être chercheur, ça doit être chiant à des moments. Bah, je pense que, ouais, non. T'as intérêt à avoir un petit. Mais c'est qui encore? Putain! C'est qui ces mecs? Mais c'est l'Afrique. L'Afrique, d'accord, qui vient à tout. Ah ouais, je. Non, mais en vrai, fais la défense de ville, ça se fait la défense. Ah, oui, ouais, même si on gagne pas, ça lui fait un max de dégâts. Mais alors là, avec ses légionnaires, je pense que là, c'est pas la peine d'essayer, hein. Bon, bah on va se tuer, hein. Ah bah en fait non. Les Romains ils ont chargé puis ils ont... Bah en fait non. Ah si, avec même. Putain, mais je suis encore à moins 12 avec l'immigration. Elle m'a vraiment mais niqué ma game là sur cette partie, hein. Un peu compliqué, mais ça le fait et tout. Oh, il n'y a plus l'Empire romain d'Occident, il est disparu. Non. Un âge sombre. Non, par contre, j'en ai ras le cul, j'ai toujours les connards sur mon territoire. Attends, mais bienvenue au Moyen-Âge, du coup. De quoi? Bah si l'Empire romain d'Occident, il s'est effondré, bienvenue au Moyen-Âge. 731, on est un peu plus tôt, ouais. Ouais, on a une quarantaine d'années, mais écoute, c'est pas trop mal, hein. Ah mais wesh, mais t'as 3 armées garamantes, là, carré. Je crois qu'ils sont un petit peu vénères. Ah non, 5. Il y en a... Bah écoute, je... Il y en a 3 ici. Je prends la ville et je ramène une armée... Parce que je pense qu'avec mes cavaliers, je peux leur faire beaucoup plus mal avec une armée que... Et puis il y a les morts, là, qui viennent chez moi. Ils viennent tous te faire le cul, hein. Ah, bah on a la vidéo...
Oh, le chameau qui look le mec. Pas comme il la regarde amoureusement. Oh. Parce que tu sais, c'est facile quand on était des hordes, on mettait le caca derrière nous et on partait en courant quoi. On lâchait un bel étron dans les chiottes. Pourquoi je suis encore en famille de bouffe? Mais c'est terrible, à chaque fois, l'univers c'est la haine. C'est la merde. On voit que dans Attila, rajouter des armes c'était pas leur projet. Hein. Je sais qu'ils sont cons les gars, vraiment, mais à ce moment. Regarde l'extraordinaire formation des chameliers. Qu'on en prit plein la gueule en une salve. Oh, de Dieu. Oh, c'est excitant. En deux salves, ils ont disparu. J'adore cette bataille. Ça, c'est mon kiff dans Total War, c'est quand t'as bien planifié la bataille, t'as même pas besoin de la jouer pour la gagner. Tu sais, t'as juste à te gratter les couilles en regardant ce qui se passe. Ah, bah ça, c'est gratter les couilles en plus. Ah, ça, oui, c'est faire, ouais. Son chef qui s'est. Ouais, mais je pensais qu'il fuyait, mais t'inquiète pas avec toi, avec ton gars. Mais les frondeurs. Non, non, mec, qu'est-ce que tu fais? Oh, le con. Oh non, je suis tiré comme un âne. Je suis tiré comme un âne. Oh, tu m'as. Mon unité, je l'ai vu disparaître. La moitié de l'unité est morte. C'est vraiment des gros bourrins, quoi. Ah, ils ont pris tarif. Oh le là. Ah, ouais, en fait, j'avais crié sur attaquer le commandant, puis vu qu'il s'est barré, j'ai arrêté, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Regarde, ces frondeurs, ils sont rien à foutre. Ils sont 27, ils en ont rien à branler. On continue. Ah, si, ça y est, quand même. La victoire. C'est pas décisif. C'est un petit peu dégueulasse comme victoire, quand même. On a caillassé les rebeux en montagne. Bienvenue en Sicile, en Sardaigne. Bienvenue chez Génération Identitaire. Putain, son armée qui est vers Turin, elle peut aller en un tour. Elle peut aller jusqu'à Narbonne. Je crois que le jeu triche un petit peu. Soif de bataille. Je suis pas certain de moi. Ça là, je vais commencer à raser quelques villes là pour leur rendre le respect. Bon, ben mon roi, c'est terminé. Putain, mais regarde ça, c'est complet jusqu'à ras la gueule. Ouais, je suis en 4 ans. Alors je me demande si on va pas arrêter cette partie après cette soirée. Parce que ça en fait, c'est gonflant, les garamantes. Sont... Bah, c'est un peu ce que je me disais. Ça commence à faire beaucoup, tu vois, les... Ouais, c'est... Ouais, 4 ans, mais... Regarde, ces armées font des allers-retours dans les Alpes, il n'y a aucun problème d'attrition. Alors qu'ils n'ont pas de bonus particulier normalement pour ça. On a fucked up le monde, c'est-à-dire que tout le monde a une ville, mais ils ont 4 armées par ville, enfin... Ouais. Oui, je perds mes armées, de toute façon, elles servaient pas grand chose celle-là. Ah, moi j'ai unifié ma Grande-Bretagne avec les Anins. Parce que moi je me prends que des révoltes, des famines et tout, bon c'est chiant quoi. Bah tu veux qu'on arrête maintenant? Bah ouais. Puis on arrête maintenant, on peut déjà commencer vite fait la campagne sur 3, juste voir quelle faction on prend au moins. Bah bon, allez, on va faire ça.